Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue en direct. La MBC poursuivre ben, dernière nouvelle, le réouverture Maurice face à la COVID-19. Sans plus tarder, à nous écoute le message du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth en ce jeudi 24 juin 2021. Mes chers compatriotes, 15 mois après que la pandémie COVID-19 fin rentre dans Maurice, aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il nous peut aborder un nouveau tournant dans sa bataille-là. Il est vrai qu'il nous peut bien, plus qu'il jamais, rester vigilant et discipliné. Il ne fallait pas nous embêter nous-mêmes. COVID, il est là pendant beaucoup de temps encore. Et il est dans la vie, soit une forme ou une autre. Mais petit à petit, nous tout peut apprendre à vivre avec lui. Et nous peut adapter nous-mêmes. Jamais, nous pas pour imaginer qu'il nous pour bien vivre avec autant de contraintes. Et que nous connaît qui sacrifice, qui nous peut continuer à faire. Et il n'est pas facile pour nous tous. Fallait pas qu'il oublie qu'il nous fait une récit en paix COVID-19 rentre dans nos pays pendant 10 mois après première vague en mars 2020. Ça finit permettre nous respirer et rester en sécurité jusqu'à ce que la science finisse développer un vaccin. Depuis mars 2021, malgré nos bons efforts, nous finissons regagner cas parce que le virus là se nature, il est sournois et il est imprévisible. Protocole l'année dernière il était efficace, mais bien sévère. Ça à l'époque là, nous pas tenons l'autre choix qui fait ce qu'il nous fait faire pour protéger la santé de nos populations. Mais nous connaissons que l'impact négatif s'affine non. Donc beaucoup de business et beaucoup de familles. Avec l'expérience qui nous fait gagner l'année dernière, et surtout quand nous fin prendre en compte progrès vaccination, nous fin faire face à ce problème-là d'une autre façon. Au lieu de fermer partout, nous finissons mettre en place système de red zone. Et nous finissons continuer à garder un protocole sanitaire qui finit respecter par la majorité de la population. Et ça, finit aide nous pour limiter la propagation du virus. Les sagrinants qui nous finissent perdre certains de nos compatriotes dans sa lalite-là. Et ça rend moi bien, bien triste. Mes chers compatriotes, l'arrivée d'un vaccin en janvier donne nous un nouvel espoir. Je suis content de profiter de l'occasion pour remercier l'aide pour sa l'aide d'un moment à côté nous bien bien support. Nous pour tous les temps reconnaissants envers le gouvernement indien. Je remercie aussi la Chine qui fin apporte un grand aide pour qu'il nous capable acheter encore plus de vaccins. Moi, j'ai un grand plaisir à annoncer qu'aujourd'hui, 500 millième vaccin fin administré à un de nos compatriotes. Nous fin arrive à 40% de nos populations qui fin gagne première dose vaccin. Et ça représente un adulte l'eau dévacciné dans nos pays. Nous peut rapprocher nous de plus en plus de nos objectifs qui nous fin fixer, c'est-à-dire 60% population vaccinée qui vous donne nous une immunité collective. Ça peut permettre nous bouge envers une réouverture plus rapide. Et moi bien fier de nos résultats jusqu'à l'heure. Et que moi et que mon gouvernement nous pour continuer à faire tous les efforts pour qu'il y ait encore plus de Mauriciens vaccinés. Moi j'ai envie de féliciter et de remercier tout le monde qui fait faire ce vaccin. Je fin montrer autres exemplaires et que je fin comprend qu'ils ont peut protéger eux-mêmes, notre famille et que nous pays. Encore une fois, bravo. Mes chers compatriotes, avec sa nouvelle étape vaccination là et après discussion dans High Level Committee au COVID-19, gouvernement fin décidé qu'à partir 1er juillet, nous capables permettre encore plus d'activités reprendre en pays. Mais toujours dans le respect du protocole sanitaire. À partir du 1er juillet, un rassemblement pour permettre jusqu'à 50 personnes. Un restaurant,
fast food et food courts pour capable recommencer le travail. Ben, lieu de culte et activités socioculturelles pour capable réouvrir et coopérer avec un maximum de 50 personnes. Ben, l'enterrement et mariage pour capable faire avec un maximum de 50 personnes. Tout un centre social, communautaire, village hall, bureau cab, pour capable opérer mais en ordre alphabétique. Ben, sport individuel et collectif pour autoriser. Ben, gymnase et salle de sport pour capable réouvrir. Et ben, la place pour réouvrir pour ben activité comme la masse et natation. Mais ben pique-nique pas autorisé pour le moment. Mais aussi ben casino, discothèque, pubs et cinéma pour resfermer pour le moment. Tout ça ben activité là, comment vous fin dire, pas vous capable de passer ben groupe de 50 personnes. Et ben protocole sanitaire pour bien continuer à respecter. Et la liste détaillée pour sortir aujourd'hui d'un communiqué dans la presse. Comme on finit annoncé dans Bidze, nous pourrons réouvrir nos bonnes frontières avec les touristes à partir du 15 juillet. Et doucement, doucement, nous pourrons revoir les protocoles et restrictions jusqu'à ce qu'il nous arrive à une réouverture complète en octobre. Ça peut dépendre, bien sûr, de nos cas et de notre gravité. Mais surtout, le pourcentage de population qui finit vaccinée. À partir du moment où nous dépassons 60% vaccinés avec deux doses, nous pouvons arriver à un certain niveau de sécurité sanitaire. Aussi, la population consciente, avec quelle détermination nous finissons réussir à gagner un vaccin dans la guerre commerciale. Moi, en tant que Premier ministre, mon fin prend une décision qui est nécessaire pour protéger nos populations, mais surtout nos bonnes enfants. Nous fin besoin faire une la loi pour encourager vaccination des professionnels, la santé et l'éducation. Mon noté avec satisfaction qui nous fin dépasse 90% vaccination dans tous les deux secteurs et ça démontre sens responsabilité de ces professionnels là. Et là, nous sommes fiers, comme les peuples, qui mourissent parmi les pays qui arrivent à vacciner un grand pourcentage de la population, dans la même catégorie que certains pays européens. Encore une fois, nos petits pays peuvent accomplir un grand quelque chose. Vos compatriotes, de Maurice, Rodrigue et Agaliga, ils arrivent là nous reconstruire nos républiques ensemble. Moi, je finis de dire au commencement de mon discours, nous pouvons aborder un nouveau tournant dans la lutte contre COVID-19. Et comment je finis de dire, mardi dans l'Assemblée nationale, c'est dans un moment comme ça qui nous disait qu'on fait un bon choix. C'est ce bon choix-là qui, jusqu'à l'air, finit guide moi et mon gouvernement. Et puis c'est pour ça qui nous peut capable passer à une nouvelle phase réouverture à partir du 1er juillet. Nous peut capable réouvrir nos bannes l'école et nous peut capable réouvrir nos bannes frontières le 15 juillet. Avec nos visions, nos déterminations et travail dur, dans l'unité, nous connaissons, nous capables d'accomplir un grand quelque chose pour nos républiques. Vive nos républiques et merci pour votre attention. Un nouveau tournant dans